Yep. 15 enfin. Donc ça sera sur l'appli web parce que j'ai du mal à me connecter sur la Xbox One en ce moment. Bah c'est le début de FIFA, on a déjà des bugs. Enfin bon. Donc j'ai touché déjà des gros joueurs dans les packs. Ça m'arrive très peu souvent parce que l'année dernière j'ai eu pratiquement aucun joueur. J'ai touché Neymar et Agüero, donc je suis assez content. Plus plein de petits joueurs, genre des Benzema, des James Rodriguez, tout ça, qui m'ont rapporté des crédits. Donc je suis désolé, j'ai pas pu le filmer. J'ai oublié Drake comme un con, excusez-moi du mot. Mais bon, pour me rattraper, je vais faire un petit squad builder. Donc, on est parti. Je vais créer une nouvelle équipe. Non. Hop, la voix. Donc voilà, elle est déjà faite. Donc, au gardien. Joe Hart. Acheté pour 9100 crédits. 85 de plongeon, 86 de réflexe, 76 de jeu de main, 59 de vitesse, 79 de dégagement, 79 de positionnement. Moi perso, je trouve qu'il fait l'affaire. On peut acheter Courtois, mais il vaut au moins 70 000 crédits. Je trouve qu'il fait largement l'affaire. Défenseur droit, Coleman. Acheté pour 6 000 crédits. 81 de vitesse, 77 de dribble, 67 de tir, 78 de défense, 71 de passe, 77 de physique. Il est très complet, moi perso, je le trouve bien. Premier défenseur central, Monsieur Vincent Kompany, acheté pour 60 000 crédits. 73 de vitesse, 67 de dribble, 56 de tir, 87 de défense, 69 de passe, 80 de physique. Toujours aussi bon ce joueur, voilà, il n'y a pas photo. Deuxième défenseur central, Mangala. Acheté pour 13 500 crédits, lui pareil, c'est un monstre. 76 de vitesse, 63 de dribble, 40 de tir, 79 de défense, 59 de passe, 85 de physique. Il bouge tout le monde. Je peux vous dire que les deux défenseurs centraux, c'est parfait. Défenseur gauche, Baines, acheté pour 12 250 crédits. Donc 77 de vitesse, 67 de dribble, 74 de tir, 81 de passe, 80 de défense, 74 de physique. Joueur très complet, très bon. Milieu défensif central, Yaya Touré, acheté pour 153 000 crédits. Donc lui, pareil, regardez ses stats, mais les gars, ses stats, ils sont énormes. C'est un mur. Perso, et même, il fait des frappes de loin, mais je peux dire, regardez, on peut voir, j'ai un but marqué avec lui. Mais il m'a mis une frappe, mais de loin, mais magnifique. Donc 76 de vitesse, 76 de vitesse, 79 de dribble, 82 de tir, 80 de défense, 91 de passe, 90 de physique. Voilà. Milieu droit, Alexis Sanchez, acheté pour 54 500 crédits. 88 de vitesse, 87 de dribble, 82 de tir, 39 de défense, 74 de passe, 66 de physique. Il est bon, mais je le trouve un peu absent des fois sur le terrain. Peut-être qu'en ailier droit, il est meilleur, je sais pas. Enfin voilà. Milieu gauche, Monsieur Charles, acheté pour 24 750 crédits. Donc il y a Hazard, mais j'avais pas les crédits pour, donc j'ai mis Charles. Qui est très bon, 88 de vitesse, 83 de tir, 83 de dribble, 75 de passe, 76 de physique. MOC, Angel Di Maria, qui vient d'être transféré, acheté pour 156 000 crédits. Lui pareil, très bon MOC, il fait des bonnes passes. Voilà, il est bon. 90 de vitesse, 87 de dribble, 79 de tir, 83 de passe, 71 de physique. BU. Premier BU, Van Persie. Alors ce joueur, les longs shots, oh bah alors là en plus sur FIFA 15, ça rentre mais très facilement. Acheté pour 66 500 crédits. 74 de vitesse, 83 de dribble, 90 de tir, 33 de défense, 82 de passe, 68 de physique. Deuxième BU, Monsieur Falcao. Acheté pour 93 000 crédits. 77 de vitesse, 81 de dribble, 86 de tir, 40 de défense, 64 de passe, 73 de physique. Je le trouve moins bon. Perso Agüero, je l'ai testé comme je l'ai eu dans les packs et je le trouve meilleur. Mais bon, il n'est pas non plus mauvais. Donc voilà pour cette équipe, pour un budget de à peu près 650 000 crédits. Alors j'espère que cette équipe vous aura plu. Et je m'excuse encore de ne pas vous avoir proposé le pack opening, surtout qu'il y aurait une baisse réaction avec Neymar et Agüero. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt des nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.